Et... C'est quoi? Et le Cameroun, oh. C'est quoi? Qu'est-ce que le Cameroun est devenu, oh? C'est le diable qui manifeste. C'est vrai. Écoutez très bien. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Allez dire. Voilà. Laissez-moi pleurer le Cameroun sur Facebook, oh. Je m'en fous, je suis habitué. Hey! Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Vraiment. Mais le dossier d'aujourd'hui fait pitié. Pourquoi? Trop d'anakeux au Cameroun. Ça me fait vraiment pitié. Yeah. Vraiment, je suis étonné. Steve, pardon, montre-nous un peu la réalité de ce qui se passe avec ces anakeux. Regardez, mes ninjas sont tous là. Regardez la salle. Mes ninjas sont là. Vous avez vu les ninjas? Hein? Hey, les ninjas font quoi chez toi, papa? C'est les pauvres Camerounais qui sont venus ce soir dire leur râle au bol. Vous aimez voir avec les yeux? Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien, je maîtrise. Laissez-moi pleurer le Cameroun sur Facebook. Oh. Hein? Ils vont lire les Camerounais, que Dieu vous garde. Steve, on évolue. Tous les influenceurs africains ont partagé parce qu'il s'agit d'une histoire grave. Sauf moi, parce que j'étais en train de couvrir un événement. Mais je suis là maintenant. On peut faire ça partout dans le monde, pas au Cameroun. Là, il est là. Je suis d'accord avec toi, papa. Je vous ai dit l'autre jour que le Camerounais n'aime pas le mépris. Mais ça, c'est la magie. Ils sont en train d'entendre de la sorcellerie au Cameroun. Oh. Bro, avant de continuer, non, donne-nous le slogan. 1xbet va payer. Quoi? 1xbet va payer. Les gars, vous êtes d'accord? Oui! Ok, d'accord, ça marche. Payez l'argent du petit là. Payez. 1xbet va payer. 1xbet va payer. Les enfants ont gagné. Les enfants ont couraqué. 1xbet va payer. Ouais, ça c'est très bien. Alors, c'est ça. La question ne se pose plus aujourd'hui seulement sur le nombre de tes diplômes, mais de savoir ce que tu sais faire. C'est vrai. Que tu sois jeune ou vieux. Que tu travailles ou pas, tu peux créer ton propre concept et gagner beaucoup d'argent via les réseaux sociaux. Alors, arrête d'appeler des gens pour qu'ils te créent des pages officielles Facebook, des chaînes officielles YouTube, des gens qui finissent parfois par t'arnaquer. Mmh, yeah, yeah. Tu veux gagner de l'argent via les réseaux sociaux, appelle rapidement les contacts qui s'affichent au bas de ces petits écrans pour te faire former. Te faire former sur la création et la gestion de la chaîne monétisée YouTube. La création et la gestion de la page officielle monétisée Facebook. Tu as ton concept de la web série. Arrête de courir derrière les monteurs. Tu peux te faire former en montage vidéo sur le logiciel Adobe Premiere Pro. Appelez-nous. Ouais, ça c'est très bien. Notez bien. Rappelez-vous que la formation se passe chez soi. Ah bon? Oh oui! Mmh. Tu appelles, on te forme sur place. Hey! Et la formation également n'exige pas le niveau scolaire. Imaginez un peu. Tout le monde peut se faire former. Papa, tu es fort. Steve, évoluons rapidement. Ici, entre mes mains, ce que vous pouvez voir, mes équipes ont pris la peine de faire la liste. Vous voyez la liste? C'est la liste de quoi comme ça, papa? Liste de quoi? Des parieurs abusés par un ISPEC. C'est pas possible. Lis un peu les chiffres, on comprend, grand frère. Vous voyez les chiffres? 2 millions, 20 000, 300 000, 132 000, 238 000. En tout cas, il y a beaucoup. Je vous ai dit qu'on a reçu plus de 500 plaintes. Je vous regarde ces mains. Mouton, c'est très grave. La liste là, c'est pour tous ceux qu'on a arnaqués. La liste ici, c'est uniquement ceux qui sont à Yaoundé. Ah, quoi? Ça, c'est quel pays? Qu'est-ce qu'on vous dit aller à l'école? Où c'est un is quoi là? Ils ont aussi arnaqué les gens dans quel pays? La Russie, Dubaï, Côte d'Ivoire, Italie, Seigneur Jésus. Steve, bravo pour ton combat. Sauf que les gens te sabotent un peu de partout, que c'est parce qu'il y a l'argent dedans que tu mets le feu. Je vous ai dit dès à la base que c'est pas une histoire d'argent. Ah non? C'est une histoire d'honneur. Quoi? C'est une histoire d'honneur. Ah? Sauvons l'honneur du peuple camerounais. Quoi? Sauvons l'honneur du peuple camerounais. Si on ne peut pas dire aux gens, aux jeunes, de ne plus aller jouer au jeu du hasard, parce que l'État a accepté, on ne peut pas aller contre la volonté de l'État. Au moins, on peut faire ce que tous ces jeunes qui perdent tous les jours, le jour où ils gagnent, les gars doivent recevoir leur dû. Et c'est pour ça qu'on est là. Moi, je suis d'accord avec ces propos.
On doit les payer. Non, c'est des soignants, je suis déçu. Steve, tu dis que tu as reçu combien de plaintes? Je vous dis qu'on a reçu plus de 500 plaintes. Oh, c'est pitié incroyable. Papa, je dois partir de ce pays, même si c'est au Bénin. Longue, tu as raison. Si vous ne voulez pas payer ces petits, remboursez-les alors au moins leurs 90 francs de la mise. Eh oui. S'il vous plaît, laissez Kabanandji conclure. J'avais mon tonton, il vivait à London. Il venait au pays, il marchait avec ses amis. Il vivait de l'alcool avec ses amis du Nyamton. On lui donne poison, il le mord comme un mouton. Oh, baby pomme, no, baby pomme, no, baby pomme, baby pomme, no. On l'appelait Christelle, nous résistons du quartier. Elle faisait pas modèle, elle aidait même tout le quartier. À cause de son bon cœur, on l'avait donc tué. Elle avait ses projets, elle avait sa famille. À tous les bengueters, les gars, faites attention. Le Cameroun va mal, le Cameroun est gâté. Tu es arrivé au pays, tu veux bien t'amener. Bon, ça va, on a compris, non? Un autre. Oh, oh, je suis Balengu. Ressortissant de baleine, dans maman qu'elle banquette, dans papa n'a mangé. Hé mon frère, pardon, on laisse comme ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.